Notre licence, on y rentre principalement après le bac en L1, mais on peut aussi rejoindre cette licence après un IUT, voire après un BTS également. Donc on a également des entrées d'étudiants au niveau L2, voire au niveau L3. Nous avons en L1 un portail commun qui reçoit 80 étudiants, donc 80 étudiants en L1. Et ensuite, ces 80 étudiants vont se répartir dans différents parcours à partir du L2. Un parcours classique académique, terre haut environnement, qui conduit naturellement au master. Et deux autres parcours, un parcours SVT, sciences de la vie et de la terre, qui va conduire à des masters mixtes biologie, sciences de la terre, je pense notamment à la paléontologie, mais aussi parcours SVT, qui va permettre de former les futurs enseignants en collège et en lycée. Dans notre domaine, on offre la possibilité de sortir à Bac+3 avec un parcours professionnalisant qui porte sur la gestion et le traitement des déchets et des pollutions, le parcours GPT. Je vais vous parler d'abord du parcours CME-SVT, qui est un parcours que notre département porte. Alors, comme son nom l'indique, SVT, il y a à la fois de la géologie et il y a aussi de la biologie. Donc, c'est un parcours un peu spécial, un peu spécifique, et notamment pour les candidats au métier de l'enseignement, en particulier au métier de l'enseignement de SVT. Nous avons deux formations importantes au niveau master, qui sont le master sciences de l'eau et le master sciences de la terre, planète, environnement, dans lesquels finalement bon nombre des enseignants-chercheurs du département sont impliqués, ainsi que des collègues chercheurs des instituts et laboratoires de recherche précédemment mentionnés. Les enseignants du département sont également impliqués dans d'autres mentions de master, la mention MEF, qui est orienté vers les métiers de l'enseignement, notamment propose des débouchés vers les concours CAPES et AGREG, ainsi que dans la mention biologie, écologie, évolution, au sein duquel les parcours en paléontologie sont proposés, ainsi que sur l'animation dans les domaines environnementaux au travers du parcours ACCESS. La mention sciences de l'eau s'appuie sur les collectifs de recherche de la région, particulièrement actifs dans le domaine de l'eau, mais également à la croisée avec les domaines santé et agriculture. Cette mention propose 5 parcours, un parcours dédié aux ressources en eau, un parcours axé davantage vers le littoral, un autre parcours portant sur l'eau et l'agriculture, un parcours sur l'eau et la société avec des problématiques sociétales, environnementales autour de l'eau, et enfin un parcours portant sur les contaminants et la santé, avec le parcours contaminants ou santé. La mention sciences de l'eau propose également un parcours international, WISE, qui a pour vocation d'attirer des étudiants du Nord et du Sud et dans lesquels les enseignements seront dispensés en anglais. Cette mention de master est co-accréditée avec Montpellier Supagro ainsi qu'avec AgroParisTech, ce qui fait qu'elle s'inscrit parfaitement dans la dynamique MUSE qui s'est mise en place récemment au niveau de l'Université de Montpellier. La mention STPE comporte ainsi 4 parcours qui sont aléas géologiques, génie côtier et littoral, géologie de l'exploration des réservoirs, ainsi que le parcours géodynamique et géomatériaux. Le master STPE s'appuie notamment sur les enseignants et les chercheurs du laboratoire Géosciences Montpellier, mais il peut également compter sur un tissu local et régional relativement important au travers du cluster Terrinov qui comprend un certain nombre d'entreprises qui travaillent dans le domaine des géosciences et de la géologie. Il existe des possibilités de codiplomation où les étudiants sortent des parcours qui le permettent avec un diplôme de l'école des mines d'Alès, donc diplôme d'ingénieur, ainsi qu'avec un diplôme de master de l'Université de Montpellier.
Il existe également des possibilités de codiplomation avec des universités étrangères, notamment au niveau du Master Sciences de l'eau, une codiplomation avec l'Université de Barcelone. Pour le master que je dirige aussi, qu'il s'agit d'un master de paléontologie. Ce master n'est pas porté par le département d'enseignement T2E, mais par le département voisin biologie-écologie. Ce master se destine effectivement au métier de la recherche en paléontologie. Les paléontologues et la paléontologie en général s'appuient à la fois sur les sciences de la Terre et sur les sciences biologiques. C'est pour ça que nous acceptons des étudiants qui viennent soit des filières sciences de la Terre, soit des filières sciences biologiques. Sur ces 2 ans se déroule à la fois à l'Université de Poitiers et à l'Université de Montpellier, les 2 universités étant accréditées, la première année à Poitiers, la 2e année à Montpellier. Et l'objectif principal, bien sûr, c'est d'avoir un bagage suffisant pour éventuellement continuer en thèse de paléontologie pour les métiers de la recherche, soit dans des organismes, on va dire, publics ou privés. Les formations du département Terre, Eau, Environnement sont donc associés à des laboratoires et instituts d'excellence, parmi lesquels il est également important de citer l'Observatoire des sciences de l'univers, l'OSU-OREM, à Montpellier, qui s'intéresse à tout ce qui est environnement, dans l'environnement méditerranéen, et également le centre créé récemment sur l'eau, le centre UNESCO ICI Rewa. L'une des spécificités de nos formations, c'est la possibilité que nous donne la région de Montpellier notamment de faire des enseignements sur le terrain au contact des objets naturels que l'on étudie. On étudie les chaînes de montagne, on étudie les fleuves, on étudie les bassins sédimentaires, on étudie le littoral, les plages. Aujourd'hui se développent tous les aspects de réalité virtuelle. Les étudiants, au lieu d'être sur le terrain, sont dans notre laboratoire. Tout au long de la formation, nous amenons les étudiants sur le terrain pour observer, étudier, comprendre in situ comment la Terre fonctionne.